Alors voilà la suite de comment poser sa dentelle pour qu'elle soit en finition. Comme je vous l'ai dit, j'utilise donc un tissu assez élastane. Donc pour ceci, j'ai quand même changé mon aiguille et j'ai mis une aiguille spéciale jersey stretch. D'accord? Et j'ai pris le point de ma machine qui correspond au point un petit peu zigzagant. Donc il doit faire un peu ce système-là. Je place donc ma dentelle, elle est posée sur le dessus de mon tissu et le dessus de la dentelle. C'est-à-dire que la dentelle est posée dessus tissu, envers dentelle. Puisque sur toutes les dentelles, généralement, il y a un endroit, un envers. Comme je vous l'ai dit, je vais jusqu'à ma valeur de couture de côté. Je pose mon pied. Je l'ai épinglé. Si vous n'arrivez pas à travailler avec des épingles, comme je vous le dis très souvent, n'hésitez pas à bâtir. C'est très important. Donc, j'enlève ma petite aiguille et là, je vais piquer. Donc, j'aide ma machine. Voilà. Vous voyez, ma machine, elle fait quand même, le point fait quand même comme un petit point de surjet. D'accord? Et vous piquez tout le long. C'est très très minutieux à faire, mais la finition, elle est super belle. Alors moi, ça se termine en pointe en haut. Donc, je me suis rajouté un petit défi. Et voilà. Là, j'arrive à la fin de ma pointe. Donc, je lève le pied. Alors, mon pied se lève automatiquement, hein, mais je lève mon pied et je rappuie sur ma pédale. J'ai tourné pour attaquer l'encolure, puisque là, j'étais sur la zone de l'emmanchure. C'est sûr que lorsque l'on bâtit, nous ne sommes pas obligés de s'arrêter. Hein. Quand je travaille aux épingles, un peu pour les vidéos. Donc là, je suis en train de finir l'encolure devant. Et je vais arriver à nouveau sur la pointe. Cette pointe, elle va me permettre de mettre la bride. Voyez, regardez, on voit quand même le travail, il se fait. Hein. Là, vous avez la pointe. Et voyez, là, c'est toute l'encolure. Je vais vous montrer une fois fini. En ce moment, je suis un peu comme ça, dans les petits caracos, les petits bustiers pour l'été. J'espère que on aura quand même l'occasion de pouvoir sortir. Et voilà, on coupe. Alors, je vous montre. Le travail fini. Voilà. Là, ici, je vais donc fixer mes petites brides après pour que le bustier soit posé. Je vais vous montrer comme ceci. Voilà. Et là, je vais mettre deux petites bretelles qui sera, bien sûr, après dans mon dos. J'avais pas assez de tissu, alors j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, donc c'est un petit caraco pour l'été, c'est assez sympa. Maintenant que j'ai pu faire ça, je vais pouvoir coudre mes valeurs de couture côté. Donc j'épingle.
je passerai donc à la couture de côté. Vous voyez, une fois que c'est à l'endroit, je vais, vous savez, coudre une couture de côté, donc on ne va pas le faire ensemble, mais une fois que c'est à l'endroit, ça donne ça. Là, c'est l'emmanchure, ici, vous avez l'encolure, et à nouveau, vous avez l'emmanchure. Et puis donc, quand vous le posez, eh bien, ça donne ça. Donc, c'est bien pour l'été, c'est sympa, vous pouvez mettre ça avec un jean, un short, ou même sous une petite chemisette. Voilà, donc si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas. Je suis joignable sur couturecrea@gmail.com. Et puis sinon, en message privé, si vous voulez une petite explication, vous pouvez aussi m'appeler sur WhatsApp. On peut se faire une visio ensemble. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.